coucou, bienvenue pour l'épisode numéro 64. 54, 64, 54. 54. Ouais, parce que je me dis qu'il faudrait qu'on tienne jusqu'à 69, du coup ça m'a perturbé. Je pense qu'on va le dépasser le 60. Et sur ce point-là, on se retrouve dans un endroit super propre où quelqu'un va faire son bain annuel. C'était bien ça l'idée? Exactement. À peu près ça l'idée. Et il y a le nain qui fait Ich bin the Knight. Et il y a l'élémentaire de feu qui est déjà en combat avec deux espèces de trucs dégueulasses. On peut noter que pour une fois, c'est pas Atémir. Il a fallu attendre 54 épisodes. Wow. Mais... ah, je crois que le nain était. Ah, t'étais dans le. Ah, la boule de feu, graisse, pas bon quoi. C'est... Alors, si jamais, si on descend ces escaliers. Mais alors, le principe d'un fighter, c'est d'être au cac. C'est fou. C'est complètement dingo comme idée, mais je suis allé me mettre au cac. Mais pourquoi t'as pas attendu que j'engage? Bah, tu viens d'engager là, t'as balancé une boule de feu, sauf que vu que j'étais dans la graisse à peu près à 10 mètres des mobs et que là il y a une traînée de graisse jusqu'à moi, je me suis pris des dégâts. Ah, mais des mobs de l'autre côté aussi. Attends, bougez pas parce que je vais mettre aussi une fire bouboule de l'autre côté. Ah, bon, d'accord, ok. Bon, quand t'as fini de déclencher l'apocalypse, tu nous préviens. Et comme ça, un jour, on pourra aussi taper. Un déluge de feu et de mort. Attends, pour une fois qu'il peut un peu se la jouer, laissons-lui ça quoi. Si tu fais un pas de plus, t'es en combat. Bon, je peux pas taper les mobs, mais je peux taper le nain. Je trouve que ça passe. Quelle serait la finalité de ce truc, bordel? Alors. Ah oui, d'accord, ok, oui. Est-ce qu'il y a moyen de se faufiler? Pas trop, hein. Bah, là où je suis, si tu veux. Bah ouais, mais non. Quoi. Bon, je vais marcher dans le feu, je vais cramer dans la. Je lui ai mis un bon début de dégâts, là, à la boule de graisse, hein. Ouais, pas mal, hein. Je vais me mettre là. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, c'est deux combats différents. C'est deux combats différents? Bah ouais, parce que j'ai pas l'impression d'être engagé avec les deux autres boules de graisse de mon élémentaire de feu. Ouais, moi c'est pareil, je suis en combat avec les deux là où je suis et les deux autres non. Ouais. Écoute, on va faire ça comme ça. Eh mec, je sais pas si tu vas prendre les dégâts, donc si jamais c'est le cas, des os. Bah, tu sais quoi, j'ai tapé, mais comme tu les as poussés, et bah. Ah oui, mais. Dans le vide. Mais il est mort. Je suis déception. Il est mort de quoi? Bah, je sais pas. Ah bah, peut-être que ça l'a touché du coup. D'accord, ok. Ah bah, maintenant le combat est avec tout le monde en même temps. Ok. Pourquoi je peux plus jouer là? Parce que on est arrivé dans le combat d'Arda. Parce que t'es trop petit. Eh oui. Attends, mais non, mais. Ah, hey. Les dégâts de brûlure l'ont achevé. Je suis trop fort. Par contre, merci de m'avoir filé vos merdes pendant le. Hey, quoi. Pourquoi tu m'as filé un coffre qui pèse 20 kilos, putain? Pourquoi tu éloignes les ennemis de nous? Parce que je trouve ça très drôle. Hey, franchement, j'ai envie de te jeter le coffre à la tête. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, bah, let's go. Tiens, prends ça. Miss. Oui, bah, c'est vrai qu'avec une telle hitbox, ça aurait été dommage que je puisse te toucher. Bon, après, heureusement, j'aurais fait des dégâts sans bon. Mais après, à noter, on peut jeter des coffres. Il est doré ici, je connais un Atémir qui va être heureux. Il y a une porte là, moi j'ouvre la porte. Ouais. Je rentre dans la porte. Il y a un point rouge ici. Ouais, des trucs ici. Il y a un point rouge. Des caisses. Des rovines. Il y avait quoi dans la pierre branlante? Une pierre qui se branlait. Oh, c'était classe. T'as vu? Non, Oh, putain, merde, attends, elle a disparu. Reviens là. Il y avait quoi? Il y avait un nécessaire de crochetage et un anneau. Mais un anneau nul. Moi aussi, j'ai trouvé une pierre de. Oh, parchemin d'apparence trompeuse et une clé peinte. Allez, vas-y, c'est moi qui ai le vrai loot. Que je peux apprendre le sort d'ailleurs. C'est fait un perception raté. Non, j'ai rien à apprendre. Oh, mais t'as quand même déterré le trésor. Oui, mais il y a une carte ici qui est marquée. Là, on a un. Grismith, dragon, trésor de la tribu. Tiens, Mulmire, pour me faire pardonner, je t'envoie quelque chose. Oh, il y a l'air d'y avoir un rat à qui on peut parler. On peut parler à un rat. J'ai trouvé un point de TP. Oh, il y a aussi des gens, je vais pas trop m'approcher.
Il y a un mec qui dort devant moi. Hein, si je... Il est où? Il est devant moi. Il est là. Ah oui. Allô? Merde, putain. Mais... Allô, Mora? Ah bah ouais. J'étais en train d'essayer de ping, mais... Bon, il fait dodo. Allô, mais vous êtes pas du tout venu là où on est allé. Putain, ah ouais, d'accord, ils ont fait bande à part, en fait. Mais non, mais on a vu un point rouge, on a dit on va au point rouge. Ah, c'est-à-dire que moi j'ai... Sachant qu'Atamir a dit, il y a une porte, je l'ouvre, j'y vais, et vous êtes pas allé. Bah en fait, il y avait deux chemins, et on s'est split en deux. On a fait deux, bah après en même temps... Et vous serez hyper ravi de savoir qu'il va peut-être falloir faire demi-tour. Super. Il y a peut-être un endroit... Mais il y a un coffre là, pourquoi tu l'as prouvé? Mais c'est celui que tu m'as... Hein? Ah non, 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 je viens de l'ouvrir avec une clé, la clé peinte. Dedans, il y a de l'or, un diamant et une armure. C'est clairement pas celui que tu m'as envoyé à la gueule. Hein. Ah, c'est Katox peut-être qui a ouvert? Non. Attends, mais il y avait un coffre. Ah oui, à côté du monsieur. Eh, il y a un gobelin mort. Un kobold. Bah là, il y a un monsieur qui fait dodo, mais genre impénétrable dodo. Il est méchant. En même temps, il s'est affonné 4 bouteilles de sommeil, quoi. Non, ça, tu peux le pickpocket. Sinon, ici, il y a deux coffres que tu peux ouvrir normalement. Ah ouais, c'est carrément impossible de le réveiller, quoi. Bah, au pire, on le tape, hein. Parce que je veux dire, on le tue. Ah là, il est mort. Et peut-être mais que non, maintenant, on peut le reste. Vous pouvez lui parler maintenant. Bah non, là, moi je peux plus. Tu peux parler avec les morts. Mais non, je peux plus parler avec les morts. Je sais même pas si c'est faisable qu'on puisse parler avec lui. Cible incorrecte, on peut pas le... Bah dommage, il est juste mort. Ah mais non, alors... c'est un glacial, j'ai pas le... C'est... Non, regarde. Non, il y a un coffre là, on peut pas. On peut sortir par là, si jamais j'ai l'impression. Si jamais il était piégé. Non, encore un autre. Attends. Quelque chose en son temps. Ah. Et voir si... Elle est dans l'eau croupie, c'est pas bon. Tiens, Arda, c'est un truc à lire. Perception fail sur ce coffre. ça veut dire qu'il est piégé. J'ai essayé crâne de piaf qui avait marqué dans la note. Je vous ai bien niqué. Il y a un coffre aussi avec un jet de perception, peut-être qu'il est piégé, je sais pas. Ah bah celui-ci il est toujours piégé. Ça se voit. Est-ce que si je le jette? Oh, il y a quelqu'un en face. Ouh, des gens à tuer. Attends, vas-y, je te jette un coffre. Oh, il y a plein de gens en face. Ça me fume à chaque fois. Keep looking, Kank, going real. Putain, mais ça me fume à chaque fois, genre c'est des pièges. Moi, ça me va, hein. Je les ouvre à chaque fois, je réussis la sauvegarde, je prends zéro dommage. Hein. Y'a pas de problème, je peux bien continuer d'ouvrir les coffres. C'est une façon de faire. Hein. Chaque critique. Ah, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Heureusement que j'ai des outils de voleur. Le tas de terre là, il a été creusé ou? Alors, vous ferez attention en bas là. Non, il y a encore un coffre. Et on doit faire quoi attention en bas là en bas, si vous passez dans le truc où il y a de l'eau, de l'autre côté il y a des gens. Mais est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce y qu'on y peut un les buter? Il y a un sans-visage dans l'eau. Je sais pas. Peut-être qu'ils seront gentils. Ah. Mais autant envoyer un tank devant, moi j'ai envie de dire. Ah, attendez. Ne nous dispersons pas. J'essaie de. Ta merde, je ne sais pas. Est-ce que avant d'aller là, est-ce qu'on non. peut juste finir là où on était avant? Oh, c'est où? Non mais plus. On va encore se perdre. Mais non mais genre, juste il y avait une salle là où on n'est pas allé, et il y a un truc là où c'est genre, c'est juste pour faire les trucs étape par étape. Là. Bah étape par étape, ou de toute façon on va dans tous les sens. Mais... Non mais c'est surtout que si on va vers le custom marker du nord, il y a un TP en fait. Donc comme ça après on peut aller là où vous voulez, on pourra revenir là en TP. C'est plus... Ah ouais. Oui. Et oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais c'est dans le chemin où vous êtes pas venu avec nous, du coup vous avez peut-être pas. Et juste. Entendu. Attendez, vous voulez pas ouvrir la porte qui est là, genre la salle est toute petite. Mais là, ça donne sur la salle qu'on vient de quitter. Vas-y, c'est bon, je suis avec toi. Non, je suis ça, avec toi. Ça donne sur la salle que vous êtes en train de quitter, mais c'est, vous étiez dans le tuyau et là. C'est... Allez, bon bah je vais devant. On était dessus le tuyau. Et on revient dans la pièce où on était. Non, on n'a pas fini parce qu'il y a encore près du point de TP, il y a quelqu'un. Et il y a le rat à qui il faut parler aussi. Il y a surtout des cadavres pendus. Hein. Il dit nous observons, nous attendons. Ah oui. Il y a des cadavres pendus. Oh oui. Oh oui. J'avais pas incroyable. Vu. Incroyable. Ah ouais. Et il y a un pénitent sans voix. Mais attends, on va aller parler au pénitent sans voix, il y a du stuff.
Attends, comment tu veux lui parler? Il est sans voix. C'est pas grave, on fait des signes. Tu lui montes des piécettes, tu lui fais genre hey, gling gling. Hey, y'a le. Y'a le crâne? Bah, j'ai l'impression que par terre c'est pas le crâne là. Y'a un crâne, mais je sais pas si il est ramassable. T'as pas vu que t'as tiré la chevillette et que ça a ouvert une porte? Où c'est? Ah oui. Bah oui, mais t'as dit que t'allais parler à l'autre là, enfin parler sans lui parler. Ah bah je sais pas, si je peux lui parler, moi je lui parle. Mais non plus. Ah bah vas-y, je vais c'est gros pour nous dans un chien. Bonjour. Eh, il veut pas. Allô, monsieur. Parle-moi. Monsieur. Eh oh. Oh, mais je te parle. Putain, c'est un marchand normalement. Il n'y a pas un mur à casser, genre... Oh. Pourquoi il veut te parler? Mais parce que il l'a vu lui alors que toi t'es trop petit. Je t'en regarde. T'avais fait le jeu du roi du silence quoi. There's the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Bon. Je peux acheter un casque de pointe d'os. Ah c'est pour le truc de rage, c'est chiant. Armure de bronze lune. Y'a un truc chez lui qui est bien. Ouais, middle. Alors, éclados divin, non, c'était pas ça qu'il fallait faire, non. Sport empoisonné, non, non. Pierre en forme de cœur, non. Pas grand chose, hein. Ils vont plein de trucs pour des potions. Ah, ça y est, je peux lui parler. Ah non, merde, je peux pas lui parler. C'est pas le symbole au sol, là. C'est pas le symbole de Baldur's Gate ou une connerie comme ça? Une pièce de flamme autour du crâne, là. Où c'est? En dessous des cadavres? Ouais, c'est des espèces de... J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce truc. Ce serait pas... Ah oui, non, c'était ça. C'était la tenue pour un druide, mais en fait, il n'y a pas de druide dans le groupe, donc c'est le symbole de Boal. Il y a quand même furieusement un crâne dans le sol. Hein. Oui, mais ça c'est... Enfin, c'est classique. Et déjà, t'as tiré la fléchette sur le sang, ça a ouvert la porte, donc c'est bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ah, hop, j'ai même pas vu que c'était ça qui avait ouvert la porte. Ouais, je voulais juste faire descendre le cadavre. T'as tiré le levier et... Attends, t'as sauvegardé là, c'est toi ou... Non, c'est le jeu. Okay. Bon bah allez, je vais arrêter de regarder ce qu'il y a de... Ouais, on arrive sur un gros truc là encore. On va encore se perdre et en fait on se rend compte que l'endroit où on voulait aller avant, en fait, c'était vachement plus court que l'endroit où on voulait aller. Voilà. Ah, bah c'est... Bah peut-être, mais... J'aurai jamais. C'est Justin. Hey, Justin, il a quelques dagues, hein. C'est Justin. Pas petite popo, moi. Bri... Ah, attends. Il a une dague qui est plantée dans une lettre. Ouh. Il y a son élémentaire qui est passé devant, du coup c'est compliqué. Pour accéder au temple de Baal, il faut franchir le gouffre du carnage. Mais si vous êtes faible comme cet aspirant, le tueur lointain vous refusera le passage. Anéantissez-le ou mourrez. Ah. Hey, il y a un beau petit point de vue ici, c'est joli. Du coup, c'est peut-être vers le temple de Baal, ça. Mais du oh coup, putain, ouais. J'ai le pare-chau parfait alors. Bon, écoutez, on fait ce que vous voulez. Bah, je pense qu'on retourne près des tuyaux et ensuite on revient là. Voilà, d'accord. D'accord, faisons comme ça. Et sachant que si jamais là, par là. On n'a pas fini le tunnel, hein. On... Oui, non, mais par là, il y a un point pour aller ailleurs aussi, si jamais. Ouais. Mais. Non, j'espère. Mais finissons les tuyaux avec la graisse. Cette zone, elle est grande quand même, hein. Bah, ouais. Ouais. T'as l'air. On a... Parce que si jamais, du coup, là, on a fini là où on est. Il n'y paraît pas, il est plus grande que ce qu'il n'y paraît. Il y a ici. D'être. Alors, comment on fait? Je fais juste un aller-retour pour voir où mène le passageway et je reviens. Faut pas cliquer sur cancel quand tu veux mettre un marqueur. Ah! B. Là. Quoi, est-ce qu'il a fait encore lui? Pour une fois. Non, j'ai rien fait, mais. Quoi, t'es où? Bah, j'ai cliqué sur le chemin qui est au nord. Ouais. Ça mène à un truc. C'est à l'ouest, hein, ça. C'est pas le nord. Mais... Bah, je sais pas, moi, quand je suis rentré dedans, j'ai pas fait attention. Par contre, t'avances pas. À mon avis, ça sent la bagarre. Ça sent le cadavre, ouais. Ouais, vu que c'est. Bah. Oh! Oh! Ah, mais faut qu'on y aille, ça a l'air si bien! Bah, ouais, ça a l'air d'être. Non, en plus c'est une petite zone, c'est tout petit. Par contre, il y a une quantité de coffres infinie.
Il y a un truc qui s'appelle Treasure Crest, Crates. Non, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. C'est quoi ça, les choses ? Ancien repère. Pour venir ici. Ouais, moi je loot les gens morts. On est d'accord qu'on fait pas le choix Crest ? Moi j'en ai pas besoin. Okay. Juste vider mes sacs parce que j'ai 40 milliards de merde sur moi. Bam, quand ? Vous avez fouillé les corps, vous avez regardé les pierres tombales. Heureusement que j'ai vidé mon sac. Tout ce qui respire doit mourir, ces cadavres semblent avoir pris cette affirmation au pied de la lettre. Quel enfer ! Paloum, paloum. J'ai l'impression que je bug un peu. Non, je crois pas. Ça vibre tellement trop ce coffre. Ça a l'air tellement d'être le plan cul. Putain, ça a l'air d'être le truc. Vous êtes tous sans cacher là ? Ouais, je suis caché, ouais. Bon bah, je vais me cacher aussi alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Ah ! C'était sûr ! C'était sûr. Par contre, il y a un diamant. Je suis pas en combat moi. Oh putain, il y a une quantité de morts ! Infini. Genre, alors moi je vais tirer. Arda, tu nous ferais pas une petite boule de feu là à gauche là ? Je sais pas, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer d'utiliser mon élémentaire de feu. Alors je suis pas en combat moi, je vois pas Quand on panique pas. Je vais par où là ? Eh ben ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux taper ? Ouah, 110 les serviteurs anciens, hein. Ça va être sympa. Est-ce que je peux faire une boule de feu ailleurs ? Et ils ont des résistances à quoi, les petits machins ? Zombies supérieurs, là, examinés. Résistance nécrotique, résistance au froid, immunité au poison, ok. Les serviteurs anciens, ils ont vulnérabilité aux dégâts de feu. Donc c'est définitivement du feu qu'il faut leur mettre dans la tronche. Attends, je peux pas... Et ils ont, alors les momies là ont résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants. Je peux pas, c'est dommage ça, je peux pas dip mon arme dans l'élémentaire. Et les morts vivants, les griffes rampantes là, elles sont juste résistantes, immunisées au poison, pardon. Moi je viens de faire un critical miss. Je peux bagarrer avec les gens qui sont à gauche alors là ou... Plaisir, moi je suis allé au ouais, milieu. Tu peux. Moi je vais aller sur un autre théâtre d'opération pour remettre de la fireball. Oh là, j'aime bien cette attaque. Oh non, j'ai. Oh, mais je suis le pire des débiles. Alors, oui, mais est-ce nécessaire de le préciser ? Non, mais là, quand tu t'en rends compte toi-même que t'es con, tu vois, au bout d'un moment, ça devient pénible quoi. Ah, je peux me déplacer pour aller voir ce coffre. J'ai gagné ça. J'ai pas une super portée pour faire exactement ce que je voudrais. Je pense que je vais économiser la fireball pour un moment où les mecs seront un peu plus proches. C'est quoi comme portée la fireball? C'est 18 mètres, donc là je vais pas avoir mieux si je fais un rayon ardent. Je vais lui mettre juste un petit trait de feu dans la mouille à lui. Ça je pourrais pas déjà pas mal. J'ai aucun endroit où je peux mettre en position sur LVP pouze. Il y a bien. Si, en vrai, il y a ça là. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Bah, je sais pas, un truc qu'il a loupé. Par contre, j'ai l'impression qu'on a tous un malus là. Ah, il voulait m'effrayer. Gangrène magique. À moins d'être un mort-vivant, chaque fois que vous lancez un sort, vous subissez 3 à 18 points de dégâts nécrotiques par niveau du sort. Ainsi qu'à des avantages sur tous les jets de sauvegarde. Ah, la vache, oui. Ouais. Dommage, hein, il fallait pas être magicien. Hein. Ah, j'avoue, putain, le respect, heureusement que je l'ai fait dans le dernier épisode. Hein. Mais Il vient de mettre un point. Un point moisi. Attention, j'ai des mains qui me courent dessus. Attends, comment ça? Oui, je peux faire une. C'est dans ces moments-là où je kifferais pouvoir faire des AOE. C'est nouveau ça. Ah, il m'a foncé dessus, lui, le petit salaud. Ah, mais purée, je suis un coup. Oh, je suis débile. Ouais, effectivement, ils sont vraiment. Tiens, en potion, ça. Arda,
Arda, t'as une AOE là ou pas? Ah ouais, oula. Je peux avoir une AOE, oui. Est-ce que retirer mon bouclier ça va être considéré comme une action? Alors attends. Non. Je ça c'est bien. Le sombrero moldave. Déjà on va faire ça. Ensuite. Attends, il faut que je me pousse quand même. Hein. Ouais, ouais. J'attends que tu te pousses. Dès que tu t'es poussé, j'en crame plein. Je vais faire ça. Et. Par où j'ai le moins d'attaque d'opportunité? Je pense que. Ah, ça se trouve, je suis pas obligé. C'est à quelle tronche à peu près ton cramage? C'est un rond, c'est un cône, c'est un quoi? C'est un rond. Ok. Je peux essayer de me décaler, mais pas trop quoi. Je vais prendre 5 attaques d'opportunité. Moi, je pense que ça passe, non? Non mais vas-y, tu sais quoi, lance l'attaque avec moi dedans. Ça me fera moins mal. Voilà, parce que j'ai esquivé l'attaque. c'est plus simple. J'adore le concept de... Non mais vas-y, de toute façon je vais l'esquiver ton attaque et après ça fera moins d'attaques d'opportunité. Non bah du coup j'ai plus besoin de partir surtout. J'aurais pas dû dash par contre, parce que du coup j'ai rien fait de mon tour. Est-ce que je peux me faire un petit foulée brumeuse? Ouais. Bah, tu vois, tu t'es trouvé un piédestal. Ouais. Oui, mais utiliser un sort, ça lui a fait des dégâts. Oula, qu'est-ce que t'as vu? Oh. Ouais, alors peut-être jette pas de sort, hein. Alors si, mais je vais jeter des cantrips, parce que ça me fait pas de dégâts. Je confirme. Ouais, parce que quand j'ai vu le truc là, la condition que t'as, bon. Ouais, Spellrot, c'est pas fou. Hein. Ouais, ça peut vraiment te faire mal. Après, il l'a plus, Arda là. Ah, si, moi je le vois là. Ah, si, Spellrot. Un tour restant. Pour casting level 2 spell, tu vas prendre 6 à 36 de dommage là. Ouais, oui, j'ai pris 18 là tout à l'heure hein, en faisant mon foulie brumeuse. Alors qu'on aurait eu un prêtre là, un petit turn undead. Oh non, mais vas-y, c'est bon là. C'est trop mal hein. Oh, hein quoi? C'est la valse des échecs critiques. Échec critique. Bon. Ah merde. Il va falloir te sortir les doigts parce que là ça commence à bien faire. Ils ont combien de PV là? 38, beaucoup. 110. Bon, attends, déjà je tue le gars qui a 12 PV. Attends, il est où le gars avec 38, t'as 38 ou 23. Ah oui, non, PV c'est ton élémentaire, my bad. Il y a 4, 23 là. Est-ce que tu veux que je t'en mette un par terre pour lui faire encore plus la bagarre? Il est mort, voilà. C'est fait. Si tu peux t'occuper du gars à 77, je suis chaud. Ouais, c'est celui dont je m'occupais là. Mais pourquoi tu nous renvoies des gens? Waouh. On va faire un chantrest après? Je suis même tué. Il faut, ouais. Ok. Ouais, t'as pris des dégâts magiques toi aussi. Il est dans la merde. Ah, incroyable. Bon bah lui il est mort. Ah, bon bah. Bah tu m'as demandé de m'en occuper, je m'en occupe. Non, mais c'est pas grave, je t'ai tué par terre de 14. Ah putain, par contre, est-ce que tu pourrais te deck. Ouais, tu veux que je me mette où? Hop, attends. Normalement c'est bon, je peux lui. Coucou. C'est bon. Ah, c'est bon, il y avait un petit espace où je pouvais me glisser. Je te rassure. Ah merde, j'avais pas vu qu'on avait perdu. C'est moi où tu l'as soigné, mais ça n'a rien fait. Ah, oui. Mais ça lag, ça va arriver après. C'est imminent, ça arrive fort là, ça arrive fort, vous avez pas le. Ça arrive fort. C'est maintenant. Je crois que j'ai perdu une potion pour rien en fait, j'ai dû la lancer au mauvais endroit et ça l'a pas touché. Quel suspense insoutenable. Content de m'être caché, hein, perso, je sais pas vous, mais. Oh bah ça va, il a encore un petit peu de temps. À moins que tu lui mettes un. Ah, bon. Bah écoute, ouais. Ça peut devenir problématique. Il a moins de temps. Non, mais je vais y aller, t'inquiète, je vais courir. Parce que je suis la nuit. Non, c'est pas possible. Justement, je n'ai pas été. Soldat Katox a subi un dégât irréparable, je crois. Il a subi un. Mort par décès. Suis mort pour cause de décès. Ah putain, en plus j'aurais pu te soigner, c'est con ça. Ah, j'ai encore l'amulette, c'est vrai, j'avais oublié. Bon bah promis, hein, on va s'occuper de toi. Oh ouais, non, ça bug, je... Qu'est-ce que c'était que tu nous as fait là, Arda? Là j'ai juste fait un rayon ardent. Attends, mais pourquoi t'as 27 en maladie de momie là? Pourquoi t'as moins 27? J'ai moins 8.
j'ai un peu la... Bah moi j'ai 9 PV et j'y vais, c'est parti. En avant. Après je peux continuer à m'en occuper hein. Ça va Katox, ça se passe bien? Bon, écoute, pour l'instant, je vais te dire que la racine des pissenlits, elle pousse. Mais... ouais, ouais, non, mais je vois que ton cadavre est plutôt bah, tranquille, allez, hein, allez. Ça. Alors, bon, comment que ça marche? Moi, je dois en avoir un qui traîne. Alors, regardons dans mon petit sac. Après, Katox, il en a 17, alors il suffit de... Non, mais attends, si, j'en ai un cast spell. Bonjour. Allô. Ah non, attends, pourquoi la target ouais. Parce que je suis dans les escaliers, c'est toujours un endroit super chiant. C'est pour ça que la potion n'a pas marché. Ouais, parce que là il me disait que ouais, genre vous n'avez pas la vue. Alors il est littéralement à mes pieds, mais... C'est pour ça que ma popo elle a pas fonctionné en fait. Ouais, parce que alors, les escaliers non, mais vraiment... j'arrive pas à te... Après tu peux pas le déplacer genre son cadavre. Ah ouais, on va faire ça, attends. En douceur hein, je te prie. Oui, oui, t'inquiète. Ah non, je peux te loot. Ouais, tu peux me loot. Ah, je peux te loot, mais je peux pas te piquer. Attends. Si, tu peux pas le throw. Attends, si, peut-être que... On va faire ça. Il est mort. Alors. C'est son cadavre. Son... Ah non, t'es trop lourd pour que je te jette. Attends. Bah après, il suffit juste de le looter, ça c'est pas possible, mais... Pourquoi t'as je... T'as pas un sac et tu mets tout dans le sac. Attends, parce que je peux prendre Arda comme arme. Et pourquoi je ne peux pas. Oh là oui, t'as une quantité de... Bah parce qu'il a une quantité de... Bon bah, je te loot et... Non mais attends, alors, on devrait tout mettre dans un sac. Non mais attends, j'ai tu m'as pas loot, t'as juste pris l'or. Après c'est vrai que... Je ne vois pas ce que tu veux dire, mais sachant que c'est moins, moins l'or, j'ai déjà perdu 25 kilos. Attends, je te récupère ton sac, ça, ton trousseau de clé. Ça va aller à... Bim. Hop. Oh, t'as des flèches explosives. Ah mais t'as plein de trucs sympas, dis donc. Oh c'est le bordel ton sac, moi ça me donne... Ça me donne mal à la tête en rien de le voir. Attends, est-ce que là, t'as qu'à le trier si ça t'emmerde. Ah, c'est bon! Hop là! Alors, mettons le Katox ici. Paf! Il y a le machin qui commence à parler vu que t'as ramassé un de ses objets. Tiens, Arda, ça va te faire plaisir ça, j'en suis sûr. Putain, mais. Ah non, d'accord. Ouh. Bonjour! Bonjour! Alors, l'autre monde, c'est comment? Bah, franchement, tiens, c'est pas sale. Ça. Ça, c'était à toi, ça, c'était à toi. Ça aussi. Ton sac. Ta thune. Je te rends la moitié, vu que ça pèse lourd. Bon, moi, j'ai pas de problème, j'ai de quoi porter. Hein. Ah ouais? Ah oui, ah c'est ouais. Vrai que, bah tiens, tu seras notre trésorier. C'est ce que je suis depuis le début. Repos, Ah d'accord. Je t'ai pas attendu. Et... Send to camp. Paf. Si jamais ici j'ai découvert une porte secrète. Est-ce que t'avais des trucs qu'il faudrait que je te rende? Non c'est bon, je t'ai tout rendu là. Il y a des gens derrière la porte alors je vais attendre. Verrouiller. Alors attends. T'as l'air pas au meilleur de ta forme. On va faire un petit heal pour la majorité d'entre vous parce que si on doit se prendre un nouveau fight. J'ai une petite amulette pour vous rendre 1 à 4 points de vie. Allez, let's go! Mais en vrai, allez, attention, le healer est en action! Ah, t'aurais dû le garder en vrai, parce que là, tu vas te prendre 32 PV dans la gueule. Merde, j'avais pas pensé à ça! Et c'est surtout que c'est clutch en vrai sur un combat de pouvoir heal quelqu'un avec. Mais vas-y, t'as pas une potion, une maxi potion à poser par terre là? Dis-moi, oui. On a fouillé tous les coffres. Alors, je drop l'item. Normalement, on a fait tous les coffres. Bah, non, pas dans l'escalier, hein. Mais non, calme-toi, mais ça va bien se passer, j'ai juste fait poser par terre. Est-ce que là c'est bon? Est-ce qu'on est tous dans la potion? Putain, attends, comment je vois ça, moi? Je vais me mettre là. Je pense que vous êtes tous dans la potion, oui. Merde! Putain, pourquoi j'ai bougé? Attends, je me redécale, vas-y, t'arrives à te remettre. Attends. C'est bon là? Non. On parle bien de toutes ces discussions, et bien dans un cadre, on essaie de bien se positionner par rapport à prendre une potion. Je tape la potion. Moi je suis dedans. Ah. J'ai pas eu la potion. Qui s'est pas fait il est la potion. J'ai pas eu la potion. Tu l'as pas eu. T'as eu la potion. J'ai pas eu la potion. Tiens, je te fouille des potions. Ah, pour la peine j'en casse ce vase, tiens. Ah, moi je jette l'éponge.
Il m'a jeté la main du truc. Non, je te l'ai pas jeté dessus, je l'ai jeté dans les escaliers. Je lockpick la porte. Bah moi je suis sûr que ça va bien se passer. Vous avez déjà fait on a déjà fait le repos là? Ouais, je l'ai lancé direct. Yes, let's go. Ah ouais, donc j'ai vraiment 17 PV après Oh, il y a encore des cadavres. Allez, mais prends des petites potions là, tu vas pas t'en sortir avec. Je t'en ai envoyé 10 des importants, je crois, des trucs comme ça. Qui est comment? Ah ouais. Oh. Ah ouh, ah. 14 là, pas mal. Bon, c'est bon, 100 PV, c'est bien. Là. Mais, oh, dis donc, peu importe l'ambiance ici. Alors, je vais prendre la jarre, le cerveau de. C'est une mère. Quoi, cerveau du père. Certes, t'as pas eu la potion, mais regarde ce que je t'envoie. Oh! Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Une potion de géant des nuages. Oh, le petit chien. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Il est content, hein. Ah bah oui, ouais, là, je roule sur le côté et j'attends les gratouilles sur le ventre. Il y a une échelle qui est là, est-ce qu'on clique sur l'échelle? C'est pour sortir apparemment. Par contre, pourquoi je te vois encore en mauvais état, Kato? Je te vois que tu tiens les côtes là. Comme mais si c'est parce qu'on est on est tous avec un... Est-ce que, à votre avis, il faut un crâne particulier pour le cadavre là-bas? N'importe quel crâne? Bah je pense que le casque, non, le crâne qu'on vient de récupérer est bon. Ah, il y avait un crâne là? Ouais. Sur la table. Alors moi j'ai récupéré une jarre. Non, moi j'ai récupéré un cerveau de... Un cerveau... La jarre du Mystique Carrion. Enfin, la jarre avec le cerveau du Mystique Carrion dedans. Ok. Un vase calope. Du coup, on recule, c'est ça, maintenant? Ben, on ne va pas juste voir où mène l'échelle. Allez, on va voir où mène l'échelle. Ok. Histoire de savoir où est-ce qu'on arrive, quoi. Je pensais que vous l'aviez déjà fait. Ruine de la cité des Tréfonds. Il y a un levier, je tire le levier. Ah ben, en fait, on remonte... On remonte de là d'où ce qu'on vient. Incroyable. Oh bah voilà. Ah bah en fait on est... On est derrière Billy. Est attends, vas-y. Ah bon? Moi je sais pas, il faut une petite étoile dessus. Le mec qui dit vous avez quelque chose à cacher alors qu'il est censé être sans voix. Est-ce que je peux faire ça? C'est bien parce que je me disais qu'à cet endroit là il y avait justement un passage secret et bah je n'ai pas été... Ça c'est fait. Attends, c'est bizarre parce que la pouch... Non, il y a un crâne dans le sac. Bon, je prends les 15 PO, hein, bien sûr. La carotte moisie. Aussi, hein. Hop, je prends le crâne. Du coup, il faut aller mettre le crâne sur le squelette. Attendez, j'ai un fantôme sans tête qui me parle. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Eh non, mais qu'est-ce que tu... Ah, reviens, gamin, c'est pour déconner. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas le... Bah, ça doit être le corps du... Bah ouais, c'est ça, forme sans tête, on peut le suivre. Attends, il va par où? Je le suis, vite. Ouais, moi je... Hurrah. Vite, casse-toi. Ah, il me dit qu'il a dû... Il se passait quelque chose avec le crâne. Bah ici... Vous êtes où? Oula, on est au squelette de Sarin. Ouais, mais moi j'ai des petites comme le gaz. Mais est-ce que ça... Est-ce que le fantôme arrive? Parce que moi je l'ai pas vu arriver. J'arrive. En tout cas, le fantôme se dirigeait par ici. Après, bon, le fantôme se dirigeait ici. J'ai un crâne. Ah, il y a un squelette à qui il manque un crâne. Ah oui, là, regarde, il arrive là. Ah oui, quelle vision. Bonjour. Excusez-moi, poussez-vous. Je crois que si je fais paf, j'insère le crâne. Oh, il nous dit merci. Elle. Oh, j'ai eu une amulette. J'ai gagné une amulette magique. Une fois par long repos, vous pouvez utiliser une réaction pour faire un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde avec avantage. Hop là. Sympa. Ma foi, j'en aurais pas l'utilité. Qui le veut? Qu'est-ce que j'ai comme amulette? Moi je veux bien, mais j'en ai déjà deux quoi. Donc au bout d'un moment ça fait. Non, moi je garde ma réverbération. Les gars, moi j'ai quelques liens. En fait, tu t'es pris carrément pour un rappeur quoi. Allez, je te l'envoie. Non, le mien il est mieux là, parce que quand je fais des sorts mineurs, j'ai un modificateur d'incantation aux dégâts. Bon, on va enfin cette foutue conduite. Bon, j'en fais quoi alors de truc? Je le file à... La carte dans le cul. Ok, d'accord, pas. Hein, disons que ça va me faire de l'effet, vu que ça fait un petit chapelet là. Ça. C'est des boules de geisha. Vous allez entendre un petit moment, un petit nain qui fait faire... Oh. Oh. Ouh. Excuse-moi, je monte les escaliers. C'est pas la science. Je monte les escaliers.
Oh non, elles sont tombées. Est-ce que vous avez essayé de cliquer sur la descente graisseuse là? Non. Vas-y, je te suis. Vas-y. La descente graisseuse. Oui, ça a l'air d'être. Bah, je pense que c'est les égouts, quoi. Ça met l'eau à la bouche. Oh, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelait mon ex. Oh là là. Alors, c'est fin. Où est-ce qu'on est? Mec. On est dans des. On ira après. Hein. Je vous propose de faisons les trucs un à un. Ben on les fait. On les a fait un à un. Oui. Bon là on a. Faisons les trucs nain à nain. Bah nain à nain. Bah là ouais. En soi, mec c'était un. Là il y a trois mecs avec des auras de meurtre. Ah bah super. Le seigneur de Pierce t'avérait un instrument efficace, je m'étonne qu'il n'ait jamais été tenté de servir Baal. Servir Baal. À qui tu parles? Je sais pas. Genre, honnêtement, aucune idée. Mais t'es où? Mais où est-ce qu'il est? Ah bah super. Ah bah c'est... Mais j'avais dit, si vous passez par en bas, faites attention. Alors regarde, il a fait vachement gaffe là, il a fait. Dis-toi que regarde, je suis en combat avec les gens avec qui vous voulez aller de toute façon, donc comme ça au moins c'est bien, tu fais la diversion. Merci. Tu m'as mis en combat, espèce de. De. Termine ta phrase. De faquin. Faquin. Espèce de faquin là. Ville faquin. Est-ce que vous voulez encore avancer histoire qu'on soit pas trop paqué avant que je caste un sort? Bah là on est en combat donc. Je peux pas vu qu'il y a la sulfateuse ambulante là qui a balancé ses Eldritch Blast partout. Bah t'allais de toute façon rentrer dans son cône de vue alors bon. Oui bah c'est pour ça je voulais voir si j'allais réussir mon jet de sauvegarde. Réussir ton jet c'est clair, sauvegarde peut-être pas. Oh là. Ça lag hein. Oh l'échec. Bah non. Non, c'est non, juste pas, que non. Ça rappe du. C'est... Mais pourquoi ils ont 10 milliards de dagues à chaque fois? Et parce que c'est meurtre comme ça les font. Oh mais y'a un Jackie là caché. Je lui ai fait que un de dégâts. C'est. It's regarde, something. Ils ont un petit. Un bonus, il faut que tu rates plusieurs fois dessus pour le mettre elle à zéro leur défense. Elle a pas de main. Mais elle a pas de main. Elle a pas de main. Bah la bonne femme sur le tuyau, elle a pas de main. Zoomer, purée. Oui, il lui manque une main. Putain, c'est dingue. Et l'autre, il est en sanctuaire, Barnes, là. Ah oui, c'est sympathique, dis donc. Bah, ils savent s'amuser, hein. Faut dire que... Je peux pas l'attaquer, c'est relou. Est-ce qu'elle nous donnerait un coup de main? Ah mais attends, sanctuaire, je peux lancer des spells en AOE et ça leur fait est-ce mal qu'on peut dire qu'elle a perdu la main? Effectivement, sanctuaire, ça marche quand même, les spells en AOE. Ouais, c'est que les trucs qui visent spécifiquement la personne. Bah, en tout cas, on ne lui dira pas à deux mains. Ah, je peux continuer comme ça pendant des heures. Oh là là! Limpo invocation là! Oui, oh, ma stun l'enfoiré! Ah, ça c'est pas Choukar! C'est pas Choukar? Avec les piafs là! Ah, c'est oui, c'est beau! C'est une race d'oiseau les Choukar? Ouais, c'est des espèces de corbeaux que tu trouves en montagne. Enfin, ça a une gueule de corbeau en mode donc, c'est noir. Donc ça va. Quelle cultance, mais il y en a plein! Oui, bah, c'est, généralement ça se balade en gros. Yes, trop bien. Oh bah, mais il arrête, putain! Manifestement, il est mort. Putain, mais j'arrive pas à. Ah bah non. Voilà. Ah, parce que en gros, j'ai une manœuvre de bataille qui permet de riposter quand je me fais attaquer, sauf que ça se balance tout seul et ça me défonce mes jets de. Wouah, comment il te caresse, toi? Bah, Justin, je t'avoue, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Hein. Ah, ouais, là, il te. Ah, bah, il s'est fait plaisir, quoi. Attends, est-ce que ça marche? Oh là là, mais. Vas-y, attends, je teste un truc. Mais. Ah! J'ai fait un truc là, pas trop dégueu. C'est elle là qui est en concentration sur mon stun. Elle va bien te faire fondre. Hein. C'est laquelle? C'est Kevo Fog là qui est en concentration? Ah ouais, bah, non mais c'est bon, elle est plus là, mais vas-y quoi. Ah j'ai mais c'est un mauvais moment. Hein. Ah bah, il lui reste 9 PV, j'ai pas réussi à la descendre plus que ça. Ah mais je te rassure que je vais tuer le gars qui est à côté de moi là, qui m'a fait ma fête là. T'as fait l'affront de te toucher. Je peux même pas te lancer une potion. Tout va bien, c'est pas grave. Ah c'est ouais. Katots. Ouais. Mettez de la musique. Ah.
Ah, plus maintenant, voilà. Il y en a plein derrière vous aussi. Il a pourri mon groove. Ouais, elle en a invoqué la masse. C'est pour ça que j'ai essayé de la bousiller pour voir si ça faisait des pop les corbeaux. C'est pas bête, mais je sais pas s'ils sont comptés comme des créatures invoquées. Sur un malentendu, ça peut passer. Ah oui, non, oh bah, bête sauvage. Bon, alors. Mais il tabasse comme des corbacs quand même, 18 de dégâts pour un coup de bec. Ça t'apprendra. Voilà, cordialement. Ensuite, Jacqueline. Bah, celui qui. Voilà. Allez hop. Ah bah non. J'ai dit, tu dégages. Voilà, et donc ça ne fait pas. 320 d'XP pour la bougresse là. Ah, incroyable. Bah, 320 pour celui d'avant aussi, hein. Incroyable. Ah, c'était rentable de la tuer, elle, dis donc. Tiens, allez. Par contre, je confirme un dire, quand on est mort, on chope aucun XP. Ah, bah dommage, hein. Parce que du coup, j'ai pris 600 d'XP de différence avec vous. C'est lui qui est passé derrière, incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que 600 d'XP ? Le but, c'est de passer un bon moment entre copains. Tu dis ça, parce que t'es le premier des XP, t'aurais été le dernier, t'aurais été râleur. Absolument pas. Non, je n'aurais pas été. Tu nous aurais chié dans. Personnage. Non, mais c'est parce que j'incarne mon nain. Il dit ça alors qu'aujourd'hui, je viens de recevoir mon petit livre faire du proactive role-playing. Mais je l'ai reçu aujourd'hui, donc je n'ai pas le temps de le lire. Oh là là. Ce manque d'implication, vraiment, c'est Ouais, franchement, je trouve. Les MJ, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah, franchement, ouais, ça part à volo. Hein. De toute façon, il n'y a plus de saison. On met des expressions au pif. Ouais, mais c'est justement, on fait du proactive roleplaying, tu vois, j'ai pas encore le futur, donc. C'est moi ou t'as fait genre 0 dégâts? Non, j'en ai. J'en ai bougé un. Ah, je fais les bigots du vieux con, tu sais. Il joue au flipper, Katox. Alors. Ah, c'est vrai qu'un jour je devrais peut-être utiliser ça. Hein. Attendez, je teste un truc. Ah, c'est tout? Ça aurait tué ton cerveau? Mais. Non, mais c'est tout nul, je pensais que ça allait faire un truc de dingo alors que non. Bon, oh, déçu. Lightning, oh là là, j'en ai fini aucun quoi. Bravo. Moi je dis bravo. Ça donne un d'XP. Bah il l'a loupé. Ah. Alors. Il en reste combien? 3. 4. 4. Ah mais il est si loin. Ah mais c'est vrai que j'aurais pu jeter mon arme. Il est à l'autre bout du monde. Bon. Il est où? Bah il est loin. Vraiment, il est pas à côté quoi. C'est vrai, c'est un peu le principe d'être loin. Bon, toi t'es mort. Toi. Je l'ai loupé. T'en as un en bas qui est quasiment mort. Hein. Ouais mais il est relou, je peux pas le taper là. Ah, peut-être que si je vais là. T'as raison, bien joué. Ouais, il est mort aussi. Ah, comme j'étais pas tapé au cac, je peux pas faire. C'est bêtant. Ah, tant pis, hein. Eh bah, tu ne feras que 4 attaques au lieu de 60. Ah, oui, effectivement, ouais. Bah, je te dis, il y en a un, il est parti visiter quoi. Genre, vraiment, ouais, je sais pas, il est en embuscade, tu sais, il attend la ligne de mire. Bah, là, c'est peut-être la bonne embuscade, hein, parce que clairement. Il va se faire embusquer quoi. Katox qui se fait target. Ah mais tu t'es quand même fait blind, c'est marrant ça. Alors je peux lui foncer dessus à l'autre corbeau au fond là. Moi je m'occupe du corbeau au fond. Ouais t'as vu hein, c'est un feat que j'ai pris et ça me permet de combler les écarts assez simplement. Ah mais c'est incroyable ça. C'est moins bien que mon arc, mais. Alors là, il y a un corbac. Alors. Je pense qu'il y a moyen de décoincer la vanne de l'écluse. Ah bon, chance, ça j'avais essayé moi dans ma partie, j'ai rien compris, ça m'a fait chier. De quoi? C'est quoi ton histoire de vanne de je sais pas quoi là? Ah, je vous laisse faire, c'est chiant. Perception successful. Ah, note aux employés du service sanitaire, voyons voir. Vous voulez probablement ouvrir l'écluse pour accéder à la citerne et la souiller. Pour ce faire, vous devez manipuler les vannes afin d'amener le niveau d'eau et de chaleur à leur valeur optimale en même temps. Ne vous brûlez pas. Ok.
c'est pas. En gros, compliqué. Ce qu'il faut, c'est que les curseurs des deux indicateurs soient bien aux valeurs optimales et que du coup ce soit dans la zone verte de chacun. Je veux bien, donc là, la bleue elle est bonne, la bleue elle est bonne. Ouais, mais il se passe rien quand tu cliques. Ah si, vas-y, il faut cliquer sur ça encore. Oui, mais je crois qu'il y a de la latence un petit peu, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, t'es en train de faire n'importe quoi, tu cliques dans tous les sens. Non, normalement c'est bon. Ah, c'est bien chaud là. J'avais recliqué sur. Oh, c'est trop chaud. Bah ouais, mais là il se passe plus rien. Ah, emergency release valve. Bon bah voilà, tiens, ça c'est fait. Y'a plus d'eau. Ah, ok, ça leur met un buff, moi je l'attends. Faut attendre deux tours pour cliquer dessus. Ok, et donc là, deux tours ça devrait monter là. Voilà. Et là faut cliquer sur ça, moi. Non, le rouge il est bon. Faut cliquer quand même. Oh. On s'en sortira jamais. Bon, qu'une seule personne manipule, hein, parce que après, sinon. Après, est-ce que vous voulez que je vous laisse continuer à vous faire chier ou je vous donne la bonne nouvelle? Voilà, on a peut-être pas besoin, mais. Ah, ouvert, la porte est ouverte. La porte est ouverte donc. Bon, bon bah voilà. Il parce... y a des trucs là-bas. C'est qui parle? C'est pas. Il y a des gens qui parlent. Bah, c'est toi qui parles. Ah bon, bah si c'est moi, tout va bien. T'as dit nanana, note vache. Hein. Tiens, Arda. Encore de la lecture? Non, je lui ai envoyé des tissus. Y'a un Katox qui a foncé tête de baissée. Je vous invite à le suivre. Ouais, genre, ça va être dangereux. Et... Oh bah. Petite popo, ça peut être une bonne idée. Ça me rappelle Naxxramas quand tu passes d'une aile à l'autre par le tuyau des égouts. Attends, il y a de la baston qui se profile. Effectivement, il y a un Nightblade d'Elim Jaja. Ouais, il y a un invocateur de bas, un invocateur de boile. Il y a une épée de la nuit. Ah oui, Nightblade, hey, Sir Tapol. Exactement. T'as compris ce que je voulais dire. Hey, Sir Tapol. Là-bas, il y a qui? Il y a Nightblade, comment il s'appelle? Nightblade. Ah non, Invoker of Ball, Notar et Sojak. T'as l'invoqueur de balle, eh ben, on va passer un bon moment, c'est bon. Ah, y'a Sneaker. Non. Ah ouais, Notar et Zojak. Ah ouais, on peut fermer la porte. Non, on peut avec pas le bloquer. Tapis dessus. Ouais, bon, mais j'ai bien fait de me soigner, moi, parce que clairement, on aurait passé un sale moment. Est-ce que j'aurais... Attendez, faut que je regarde si j'ai pas un élixir de concentration bien fumé. Attendez. De niveau 2. Steady. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à Braveheart, mais. Ah bah, c'est pas moi. C'est pas moi non plus, vu que je suis invisible. Salut. Qui s'est fait voir? Moi. Hein? On a été vus tous les deux. Tous les trois. Ah oui, mais normal, il est invisible, Kiki. Alors, attends, je te le mets par terre si tu veux et tu lui tabasses sa gueule. Attends. Ah, super. Attends, je réessaye. Tiens, vas-y, cadeau. Maintenant, lui bourre la gueule. Tiens, prends ça, vilain. Ville faquin. J'ai l'impression qu'il est déjà mort. Hein. Bonjour. Tiens, prends ça. On y va bagarre? On fait ultra bagarre ou pas ultra bagarre? Et la bagarre. Vous êtes en train d'ultra bagarriser là. Ils viennent d'en buter les deux. Tranquille. Attends, est-ce que je peux faire ça? Putain, est-ce que j'ai merde encore? Est-ce que ça marcherait? Non! Oh, je suis déçu. Oh non, je peux faire ça. Oh, attends, ils sont où? Tête de mort de balle, Novjmos. Ils sont où les méchants? Il y en a un en haut. Et t'en as en haut, ouais. Et t'as le Delinjan. Ah ouais, je peux pas les toucher. Bon bah bonjour. T'as le Delinjan, Snack, Stack, Dax. Merde. Putain, c'est quoi ces noms, quoi? Moi j'aimais bien Aïsir Tapal. Ça y est, le 9 Schmoz. Ah, on a du casse.
On a tué Gaz et celui qui était dans les couloirs, on a tué Vut. Qu'est-ce qu'il fait le monk? Je sais pas. On a un monk qui gogolise. Il teste des trucs. Mais on l'entend plus. Bah oui. C'est super. Le génie, le talent, à l'état brut. En plus, je te vois courir dans tous les sens sans rien faire. Ah si. Minute, il fallait que je réfléchisse tout ça. Voilà, allez, ça va prendre un celui là-haut. Ah, on a Dof, je bosse. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui, Katox, là? Mais il était invisible, il a fait le tour. Mais je sais pas si c'était forcément une bonne idée d'aller jusque là-bas. Ah bah alors là je pense que ça va très mal se mettre pour lui. Ah, voilà, ça va, tu passeras très... Est-ce que Katax va réussir à mourir un peu? C'est une possibilité. Allez, c'est une possibilité. C'est un échec de la part de l'archer. Ah mais je lui ai mis Blitik en plus. Nice. Je crois pas, non. Mais... Eh mais allô moi et mon jet là. Moi j'ai... Putain, c'est qu'une fois par un long repos. J'ai envie de crever. J'ai dit non à slow là. Ouais mais comment je peux me desloiser moi? Si on lui pète sa gueule, normalement il arrête de nous slow. Non parce que... Bah si, il concentre, regarde. Il concentre? Ah bah attends, je vais le buter. Ah oh, ouais, par pitié, tape lui la gueule. Ah bah t'inquiète, je devrais... il a 40 PV et il va mourir. Hein. Ça... T'arrives à taper le gars qui est au-dessus de toi, Arda, ou pas? Maintenant c'est Arda qui bute. Je dois pouvoir le faire, mais je suis en contre-bas, je vais tenter quand même. Oh, oh joli. Oh, waouh. Alors lui là. Là c'est pas mal quoi. C'était beau. On a vu les pieds là. Ah ouais, ouais, je pensais à autre chose. Ouais, mais j'ai été poli. Je lui en ai mis plein le. Il lui a fait le maillot là, c'est. Y'a pas un poil qui dépasse. Non, mais c'est les hobbits ça s'enflamme très vite des pieds. Ah bah. Tu rentres. Non, c'était un humain. Bon, c'est un petit tas de cendres. Ah, eh, salut toi. Hé. Bon, alors attends, l'autre là-bas. Ouais, je te laisse aller lui casser la gueule et comme ça, bon, après, je pourrais taper aussi. Oh non. Je vais me prendre une attaque d'opportunité de la hyène là. Voilà. Ah bah, bah non, même pas. Ah si. Eh, bah si, c'est perdu. Voilà, oh oui! Allez, coucou! Ah, vas-y, moi je suis un PV! Non, mais vas-y! C'est pas grave, je pourrais le finir s'il reste que un PV. Des murs! Ils sont où les méchants là? Ah, attends! Je peux pas faire la. Oh! Oh! Alors que. Que revoilà la sous-préfète. Bonjour! Aïe! Aïe! Ça vous a pas fait mal! Vas-y, pousse-le juste pour déconner! Ah, je peux pas le pousser! Non, je en fait, tu peux utiliser 4 flèches spéciales par tour et que du coup. Ah, quoique, peut-être que si je peux le. Du coup, il tabasse! Je vais peut-être te prendre des flèches, hein! Bonjour! Je viens de découvrir quelque chose qui me fait plaisir au plus haut point, vous pouvez pas imaginer! Je vais passer mon temps, pardon! Je vais pas avoir le temps d'intervenir. Oh. Et. Oh, il t'a enchaîné. Eh, regarde, t'as vu ça doit jouer. Ah bah non. Ah, ça a été... Eh, regarde, tu peux. Croquette pour Ictus. Rappel pour moi-même, on est presque à court de ces morceaux de cobalt que Rictus adore tant. Ah d'accord, toi t'as juste sauté alors que moi j'étais en train de grimper les filets et tout là. Bah je sais pas, j'ai essayé, ça a marché. Hein. Vraiment, et... t'avoue, j'étais en mode... Si par ça marche, j'y vais, contre... regarde. Hop. Pourquoi ça... On a cassé le... Y'a un poulet entier là. Non, rien, je sais pas, quand j'étais ici, moi dans ma partie, ça avait déclenché un truc, mais. Peut-être qu'on est venu trop tôt. Paf. C'est le temple de Baal, c'est ça? Non.
Ce temple de bois là. Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai pris l'échelle. Ah, attendez, c'est piégé. Ne montez pas l'échelle. Parce qu'il y a genre des mines et des tonneaux là, donc. Oh là, il y a plein de trucs là. Ah. Topaz. C'est bon. Tout va bien. Vous pouvez monter l'échelle. Ça aurait pu très mal se passer. Okay, où est-ce qu'il est? Oh putain. Où est-ce que t'es? Il y a une échelle. Et où? Dans le fond? Parce que... ouais. Attends, et si j'utilise le savon là? Oula! Oula, ou un nain qui utilise du savon, moi ça me fait peur. Ah, et ça va pas consommer le savon en plus. Cave du jardinier. Il y a des tonneaux de vin de feu, il y a un truc de feu par terre. Oh là 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 là. Il y avait une mine juste voilà, sous mes pieds là... quasiment quand je suis arrivé. J'ai récupéré un bouquin du Stone Lord. Ça vous fait amener où ça? Ah. Oula. Et ça donne. Ah, on doit être dans Baldur's Gate. Vous êtes pas. Attendez, mais il y avait un mur à casser là. Ok, vas-y, c'est... ça sert à rien de sortir, on retourne à Baldur's Gate, ça nous intéresse. Ça, c'est un mur à casser ça. Ah, je suis toujours dans la pièce où on était tous ensemble dans la joie de la mode du. Hey, tu me fais chier à m'envoyer des coffres, mec. C'est pas moi. Bah, en plus, il est. Pourquoi il est lock? C'est quoi le truc que t'as vu? Je sais pas, j'ai un mur là qui a l'air d'être. Ah, d'accord, c'est bon. Est-ce que si vous vous tenez tous les deux sur la plaque en même temps, il se passe quelque chose? Est-ce que ça ouvre la porte secrète par laquelle on vient d'arriver? Non, parce qu'il n'y avait pas de porte, c'était tout de suite deux tonneaux posés contre. Ah, peut-être, t'as raison. Attends, vas-y, attends, je rappuie sur le levier. Si, c'était une porte secrète, d'office. Ok, bon, vas-y, on redescend, ça sert à rien, y'a rien ici. Ok. Donc, ah, ça a refermé le passage, je peux pas y aller. Attends, faut mettre. Mets-toi sur la dalle. Il y a un mur là, j'ai l'impression qu'on peut le casser. Voilà. Je sais pas. On sait pas. Attends. Où t'es en fait. Mais je suis toujours dans la même pièce, hein. C'est vous qui galopez comme des gros teuteux à râler dès qu'on se split, mais moi je suis toujours dans la même pièce. Hein. Mais effectivement, il y a un mur qui semble qu'on peut le détruire. Bah, je sais pas, il a l'air d'être pétable, mais j'ai essayé avec la masse, j'ai pas réussi. Mais c'est pas cassable, c'est il y a juste deux torches à ouvrir, c'est tout. Et là, j'ai allumé les deux torches et enfin j'ai éteint les deux torches. Ce serait vraiment curieux que quelqu'un ait genre un baril de poudre quelque part dans son. J'y vais, j'arrive. Ouais, je dois avoir ça. Parce que si ça s'ouvre pas avec un baril de poudre, c'est que ça s'ouvre pas. D'ailleurs, j'ai un coffre à picklock, enfin à lockpick, pardon. Attends quoi? Je t'envoie un coffre. Je sais pas, on m'a envoyé un coffre qui est verrouillé, donc tiens. Bon, moi je prends. Bon, m'excuserai, mais je prends mon bain. Je t'ai envoyé le coffre ou. Ouais, t'inquiète. Ouais, d'accord, ok, non, parce que j'ai entendu un bruit comme si j'avais foutu par terre. Ah, il y avait un nombre de pièces d'or tout à fait charmant. Et ben super. Qui était de 4. Ah, mais il y a une meuf qui chante au campement, c'est marrant. Hein? Hein? Vous voulez quelqu'un pour aller envoyer une boule de feu? C'est quoi? J'ai des. Tiens, Mulmire, t'es devant ou pas? Quoi? Oui. Tiens, voilà, je t'en ai envoyé deux des tonneaux de poudre là. Non, mais on a déjà gaspillé un là, ça sert à rien. Non, c'était du vin de feu. Non, c'était un. Ouais. Je t'ai envoyé deux tonneaux de poudre à la limite, on peut les mettre. Ouais, ça bug, hein. Moi les. Vas-y, c'est voilà. Bon, normalement, vas-y, teste. Mais t'as vu, j'ai l'impression que ça fait des dégâts, tout derrière. C'est possible qu'en fait, on va ressortir de là à un moment donné. Mais... Bon, bah tant pis. Hein. Bon, il nous reste quel endroit à fouiller après ça? Donc, tu vas envoyer un autre tonneau? Ah oui, la cité des tréfonds, il fallait prendre vers l'est. Ouais. Alors je confirme, il y a bien quelque chose derrière ce mur.
Ouais, d'office, dans la map, tu le vois. Hein. Mais je peux pas me TP. Mais peut-être qu'on y reviendra une fois qu'on aura fini. Moi, je me suis TP. Je propose qu'on arrête l'épisode là et on reprend la cité des tréfonds après. Allez, allons-nous tréfouiller. C'est ça. Bonne tréfouille. À tout de suite. Hop là, de suite.